chaque culture, on retrouve des entités qui s'attachent aux jeunes. Des amis imaginaires. Ça fait quoi d'être de retour? Ça fait du bien. J'ai de si bons souvenirs de cet endroit. Mon petit coin de bonheur sera peut-être le nôtre. Qui est-ce qui t'a laissé tout seul ici? Je joue à un nouveau jeu avec Chauncey. Une chasse au trésor? C'est amusant. Chauncey dit que t'as pas le droit de jouer avec nous. Ah? Parce que tu l'as abandonné. Il me faut quelque chose de joyeux. Ça, c'est joyeux. Ah, qui je croyais que t'avais peur des insectes. Si je complète la liste, Chauncey va m'emmener en voyage, là d'où il vient. Quelque chose qui fait mal. Alice! Tu passes beaucoup de temps avec ton nouvel ami? Il t'a demandé de faire quelque chose qui fait mal. Ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est un bon ami s'il propose de jouer à un jeu comme ça? Peut-être qu'on devrait plus jouer ensemble, Chauncey! Peut-être qu'on devrait pas être amis! Non, 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 non! Alice! Elle est perdue, mais on va la retrouver. Dans chaque culture, on retrouve des entités qui s'attachent aux jeunes. On les appelle des amis imaginaires. Toi, tu jouais toujours avec ton ami imaginaire. Quand le lien est rompu, l'entité devient furieuse. Il est juste derrière toi. Est-ce que je peux jouer aussi avec ton ami imaginaire? Il est pas imaginaire. Et il est pas ton ami.